Alléluia. Alléluia. Et donc,
Alléluia. Il y a un peu de qui si là, la voyez pas, ça, la ma caractère, la ma comportement. Oyo, ils allaient pour empêcher que le bon Kwanzaa et rétabli ma vie dans mission. Alléluia. Mais nous voyons qu'on est là qui nous sommes les âmes égolistes. Nous sommes les âmes à l'eau de la mission. Nous sommes les âmes à rétabli ma vie dans mission. Et le nom, Seigneur, a dit qu'il faut y avoir pour la mission.
Israël,
Israël. Donc on dit qu'à accomplissement et promesse pour eux différemment. Alléluia. Alléluia. Parce que nous, nous avons Christ, nous vivons comme Christ par le Saint-Esprit, pendant que Israël, on dit qu'il y a Christ, nous avons dit sauté. On dit qu'il y a Christ, dans Christ, il y a pour régner Israël. Alléluia. Alléluia. Mais pour nous, cette prophétie est encore d'actualité. L'Éternel ordonne ton rétablissement. L'Éternel veut que ton royaume est changé. Aux hommes de l'état initial, aux hommes de la Maramalambo, l'Éternel veut restaurer ta santé. Il veut restaurer ton finance. Alléluia. C'est anormal que aux âges va projeter la vie d'ailleurs. Aussi, ma bonne au Somolo. Mon combat à la niveau en haut est aussi maté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé ici? Zacharie a mon dit, moi je m'en mon mot, je m'en connais ici, cordon, pour la mesurer. Or, ici, le cordon que cet ange avait dans sa main, c'était pour mesurer afin de restaurer ou de rétablir Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose. De même manière que les anges de Dieu utilisent les cordons pour restaurer, pour rétablir, de même manière que les ennemis, nos ennemis, les démons, les sorciers, pour détruire nos vies, ils viennent aussi utiliser les cordons. Ils viennent aussi mesurer, ils viennent aussi assujettir pour détruire ta santé, pour détruire ton économie, pour détruire ton pays. Alléluia. Alléluia. Il y a un exemple. Il y a des attitudes qu'il faut adopter. Ne considère pas ni on la vie d'ailleurs comme un normal. Commence à l'eau ça. Depuis combien de temps ils ont marché ils ont avancé combien de temps on s'est la carte de mariage et il parle d'ailleurs comme on a bon amour. Laisse-moi te dire, il y a des démons, on va se faire mesurer à l'Ibana. Il y a des démons, on va se faire mesurer à l'Ibana. Il y a des démons, on va se faire mesurer à l'Ibana. Il y a des démons, on va se faire mesurer à l'Ibana. Il y a des démons, on va se faire mesurer à l'Ibana. Il y a des démons, on va se faire mesurer à l'Ibana. Il y a des démons, on va se faire mesurer à l'Ibana. C'est carré. C'est tiré. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Passez à bloquer. Passez à mesurer. Il y a un peu de temps dans les règles. Le coup de son, au 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 son, toutes choses au son, 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 au Alléluia. Parce que nous sommes tous les messieurs d'amour. Ton messieurs d'amour. Pourquoi ton messieurs d'amour? Mais ton critère, il y a du compte à pauvreté, il y a du on messieurs d'amour tellement, on peut le normal. Mais on est chrétien. On est sans de la table. On est gêné. On est qui là? Où est la grandeur de la table? On est sans de la. Alléluia. Alléluia. Non, ton Dieu est grand, mais parce que toi, on mécène la passe d'ailleurs, on met un passe dans l'aïe, on mécène la maladie d'ailleurs, on met un maladie dans l'aïe. Donc, on doit rater, il y a des gens, on ne sait pas si elle dira, Mathieu Gordon, parce que Yoko dépassé, Mathieu a une limite, parce que Yoko n'est pas limité. Ne sois pas comme les pauvres Lazare. Dis que le pauvre Lazare, il se contentait de manger
Il y a un Zacharie. Les gens qui m'ont cité, peut-être qu'ils n'allaient pas comprendre. Ils n'allaient pas comprendre que le Seigneur, à ce moment-là, voulait lui parler, voulait lui faire voir des choses sur les rétablissements de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. N'aime pas la situation de la médiocrité pour le côté caca de la roue. Ne considère pas les choses pour le côté avec le feu, c'est anormal. Depuis juste d'accord, vous pouvez mettre la situation à passe. Juste d'accord, vous pouvez mettre la carte à être condité. Juste d'accord, vous pouvez mettre la carte à la situation à la maladie. Vous pouvez mettre en vrai la vie d'ailleurs. Or, nous prêchons un Jésus qui fait des miracles. Alléluia. Un Jésus qui guérit. Un Jésus qui bénit, un Jésus qui élève. La Bible dit, il est capable de prendre quelqu'un dans le fumier. Alléluia. Pour le faire asseoir parmi les corps. Alléluia. Ce Jésus-là n'a pas changé. C'est le même Jésus que nous prêchons jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est le même Jésus que toi tu as accepté dans ta vie. Mais qu'est-ce que c'est Jésus-là dans ton boulot? À ça la ligne, à ça la ligne, la vie là-haut. Alléluia. On te la conseille à vie d'ailleurs. On te la conseille à la situation qui faut passer dans l'eau. Mais on te dira, n'est-ce plus le dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me regarde les secours. Alléluia. Alléluia. Mais il faut lever les yeux. Regarde là où tu es. Dans la situation dans laquelle tu es. Vous voyez? Et ça n'a pas de mystère. Je ne sais pas, tout le monde est dans ma prophète, ma pression à message. Il y a des prophètes, on reçoit pression au message, ils te donnent des détails. Tellement des détails, on reçoit la vie dans la légèreté. Et puis, tu ne trouveras pas ma ramène la vie comme normal. Non, il y a des fois où on est anormal. Pour le chômage, on est au mais la banane, c'est un chômage. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, combien de temps de l'éditeur de Koumbéla? Ça, on a aussi maman, c'est tout un problème. Bien aimé. Parce qu'il y a des limites qui vont nous battre. Il y a des limites qui nous ont mis pour toi. Parce que nous avons les cassés. Nous avons les cassés. On dit que le mot, mandez-vous. N'a qu'à y contra, n'a qu'à y la banque. N'a qu'à la contre, la raison, la somme à 20 dollars, la question. La somme à 30 dollars, la question. Tu vois, on sait pour combien de temps on voit ça. Pour combien de temps on voit ça, mais la voit ça, ça. Tu vas bien payer, au que sous-sous, au bébé. Au que sous-bébé, tu vous souviens avec ah, Seigneur. Non, on commence à la 5 ans colonie. Alléluia. Alléluia. Mais yo, mon amour normal. Je vais te dire ce soir que ce n'est pas normal. Alléluia. Je vais te dire que ce n'est pas normal. Il faut refuser la situation de l'école. Il faut refuser. Mes collègues dans la banque, pourquoi on a fait briller? Et qu'est-ce qu'il a? Alors, il me disait comme aussi là. Et pour dire, il a eu ma carbone et la caca. Lève tes yeux. Considère ta situation. Lève tes yeux. Fais des miracles de ta situation. Cela te permettra maintenant de lever les yeux vers l'éternel pour lui parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève les yeux. Considère. Trouve ça normal. Jour Moussous, mon ami m'avait vraiment stimulé. La télé, la côte à Mono. La quête de la retirer Mono. La quête de la guichée. La terre de la principe. Un monument. A vu. A vu. Car la maille. Avec le tout cela. La vie passe à la défendre là. Maman, yo la invité. Je ne suis pas carré. Je dis, oh, on fout dans la scène. Moi, on n'a pas un patron. Oh, on a un soin, on a un soin, on a un soin. Et là, on va nous arrêter. Vous êtes la commune. Donc, il passe à côté. Alléluia. Donc, il passe à côté. Peut-être que moi, on va dire, ah, ma soeur, tu l'as l'employé. Hein, à moi, on va dire, hé, là, on est tous là. Mais ensuite, la compagnie, je passe à la même souci là-bas. Alléluia. Alléluia. La compagnie que vous n'avez pas à la limite, mon nom est matraté, la bombe à l'autre, et mes canaux battent. Alléluia. La vie, elle est pèse à la masse, elle a un jour qui s'en mouille. La tête pourra, elle pèse à la masse.
La
Matthieu 26, verset 4. Veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que si les ténèbres nous demandent de veiller chaque jour, de prier dans la prière? Non, il nous demande de prier à tout moment. Alléluia. Amen. Veillez et priez, cela veut dire prier à tout moment. Lis 21 verset 36 là. Lis 21 verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36, nous lisons au nom de Jésus. Veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Alléluia. Amen. Veillez et priez, cela veut dire prier à tout temps. Alléluia. Prier à tout moment. Cela veut dire, en d'autres termes, prier sans cesse. Alléluia. Ça dit, tu dois prier pour cette situation qui est compliquée. Tu dois prier pour cette situation qui ne veut pas changer. Tu dois prier pour cette situation qui ne veut pas bouger. Tu dois prier pour cette maladie qui ne veut pas te quitter. Tu dois prier. Alléluia. Prier, prier jusqu'à ce que cette maladie-là va te quitter. Alléluia. Cela veut dire quoi? Prier sans cesse. Cela veut dire quand? Je prie aujourd'hui. La maladie ne quitte pas. Demain, je dois prier. Le soir, je prie. Le matin, je prie. À midi, je prie. Le matin, je prie. Demain, je prie. Je prie jusqu'à ce que cela va changer. Alléluia. Mais maintenant, qui pour les chrétiens que nous sommes? Nous, quand nous prions, vous avez de l'eau. Vous avez de l'eau. Vous avez de l'eau. Vous avez de l'eau. Magasiné. La salle de provision. Il y a ma prière. Ce qu'on a permis. Il y aura une prière qui te prend. Retraite de côté qui va là. Et les ministères maillent. Non, paiement. Alléluia. Nous avons paiement. Mais ça, de ça qui va là, il y a ancien. Dans l'ennemi. La dernière jour. Nous avons un kaouki. Non, paiement. Alléluia. La bouteille s'est menacée. Oh, paiement. Oh, que par nous, au paiement. Lui, le diable, ton sorcier là, il ne se repose pas. Alléluia. Il ne se repose pas. La Bible dit ceci. Le lion, la Bible, il est comme un lion rugissant. Alléluia. Il tourne tout autour de nous. Cherchant qui il fera quoi? Il est dévorera. C'est-à-dire, quand il vient maintenant là, tu le chasses, il part. Mais il ne part pas pour des bons. Il attend un moment. Il viendra encore, alléluia, il viendra encore. Quand il te trouve dans la distraction, il te trouve dans le repos. Maintenant, il te saisit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est malin. Mais bichot, nous sommes pour ça. Nous sommes les mains. Nous sommes tic à prière. Nous sommes les mains, même pour la problème, pourquoi il y a ma paix, ils ont des choses. Nous sommes les mains autour. La sable. Après de voir, on va dire, ma grâce me suffit. Non! Ma grâce me suffit. On a dit, il y a l'apôtre Paul, il y a Yoté. Est-ce que ça veut dire que ta grâce te suffit? On a dit, l'apôtre Paul, Yoko Samba. On a dit combien on a un peu de temps, la incantation, les Sikawana. Les musulmans ne font pas semblant pour leur Samba là, même dans leur lieu de travail. Même dans leur boîte de travail, ils ne font pas semblant. Si son air est jaune, il ferme les boutiques, il ferme les bureaux, il s'assoit pour prier. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous semblons négliger la prière? Prier à tout moment de venir, c'est-à-dire même dans les taxis, si tu sens besoin de prier, tu dois prier. Alléluia. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça veut dire quoi? La chair te fera mort et relaxation va faire un autre. Et relaxation qui est au lieu de l'outil, qu'on s'en mélate. Et relaxation qui est, nous on t'a dit, nous va voler les bas qui, bien maintenant nous, qu'on s'en mélate. Et relaxation qui est, situation où on s'en mélate, on va l'envie, lever les canaux, bien maintenant nous, c'est ça la chair. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu vas élever,
Est-ce que vous voulez m'amener à bien? Amen. Alléluia. Amen. S'appliquer dans la prière pour implorer la main de Dieu sur ta vie, sur ton finance, sur ton travail. Tu dois prier. Lorsque au salut de là, au tombeau de Mishnayo, au sang de la Zambé, et les âmes pour vous donner rétablissement dans le cadre de la vie. Alléluia. Cultiver la vie de prière pour suspendre la malédiction sur toi. Bien aimé, la personne qui prie, qui prend conscience de sa situation, il prie. Même s'il y avait la malédiction qui était prononcée, cette malédiction-là sera suspendue. Alléluia. 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 C'est la prière. Cette malédiction était l'ennemi. Mais nous devons avancer. C'est-à-dire que, Babi, yo, on a raté. Yo, tambo, le tambo, malédiction, Zalia. Yo, ah, malédiction, en gros. Oh, yo, ça, on est comme bloqué. Alléluia. On commence à tournailler. On commence à tournailler. Mais la prière fera que cette malédiction est égale à colo, yo, le kayango. Alléluia. Amen. Et les démons, les sorciers, là où ils seront, bah, on va confondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière suspend la malédiction. La prière est une zone que Dieu sécurise. Alléluia. Alors, il y a le rapport à la bataille. Dans ton bureau, dans les lieux que tu vois tes histoires là, tu dois prier. N'aie pas honte des gens. Il faut que ça me la prière. Les disciples ont vu Jésus
marchaient sur les eaux. Mais ils n'ont pas demandé à Jésus de nous montrer comment on marche sur les eaux. Pendant ces 3 ans, ils ont vu Jésus faire le miracle, guérir les malades, guérir les paralytiques. Ils n'ont pas demandé à Jésus de leur montrer comment guérir les malades. Parce que les disciples savaient les secrets du signe naturel de Jésus, c'était dans la prière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'il faisait encore sombre, l'éternel Jésus s'est retiré dans la montagne pour prier. Il prie pendant qu'il faisait encore sombre, pendant que les autres dorment encore. Lui, Jésus, était dans la montagne pour prier. Et le matin, quand il sortait pour prêcher les miracles, oui, alléluia. Quand il montait, il prêchait les miracles, il accompagnait. Alléluia. Voilà pourquoi, une fois seulement, les disciples ont donné à Jésus, ben, ça y est, de leur donner les cours. Quel est le cours qu'ils avaient demandé? Ils ont dit, Seigneur, montre-nous à prier. Alléluia. Apprends-nous à prier. Parce qu'ils savaient la résistance de Jésus, c'était la prière. Yes. Amen. Si Jésus, le Créateur, lui-même priait, avons-le une bonne raison, nous, les chrétiens. Jésus savait que sur la terre, il ne peut rien faire sans la prière. Alléluia. Amen. La prière est sans arrêter. Dieu m'a dit, aux amis, si tu as un moine, au milieu de la femme, 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 au milieu de nous avons la vie. Donc, ça veut dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que par quel moyen nous avons dit c'est par la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prier pour que cette situation-là change. Alléluia. Amen. Tu dois prier, 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 prier. Ne te lasse pas, ne te lasse pas de prier. Prier parce que tu es des ennemis, parce que les démons qui t'en foutent de là, Maraté. Alléluia. La continue toujours. Tout le monde va me dire la civilité. L'autre va vous changer stratégie, mon sous pour te faire vos joyaux. Mais yo, vous les matez tellement. Parce qu'il y a des solutions. Dieu a déjà ordonné. Dieu a déjà prévu des solutions pour toi. Il t'attend seulement pour te retourner, mon ami. Mon nom, mon ami, on s'en est là. Alléluia. 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 Mais ça, à tout qui, Jésus, à tout la qui, Martin, à tout le monde, c'est là, ni. À tout la qui, aïe, au monde, pour ça, on a la carte de mon thème, il y a parti, et il y a mon bica, et où tu as la carte de Yéboko. Le Seigneur aussi fait ça. Allez, on manifeste volonté, voilà. On sait que là, nous avons, à la fin de la vie, nous avons échangé. Alléluia. Tu fais tes enfants pour le moment.